Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Nicolas Hoeleux au Barça. Allez, c'est parti. Alors, avant de faire cette vidéo, n'hésite pas à laisser ton meilleur pouce bleu si la vidéo te plaît. Et surtout, t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, voilà, c'est pour me faire plaisir. Et j'ai oublié de dire que cette vidéo est sponsorisée par MyoGo, c'est un site de vente de maillots de foot, que ce soit un maillot en club, maillot de sélection. À ce moment, il y a la CAN, vous pouvez trouver tous les maillots que vous voulez. Donc voilà, vous pouvez profiter et vous avez moins 15% avec mon code OUMZO, O-U-M-Z-O. Donc tous les liens du site sont dans la description. Alors Barça est proche de signer Nicolas Hoeleux. Alors Nicolas Hoeleux, ça sera un petit peu compliqué parce que Nicolas Hoeleux, ça sera pas compliqué. Désolé, ça sera pas compliqué parce que Nicolas Hoeleux, il est en fin de contrat, il a toujours pas prolongé, il a 0 euros en ce moment. Donc voilà, il est en fin de contrat, il peut négocier avec tous les clubs qu'il veut. Alors actuellement, selon Foot Mercato, ça serait proche de se faire avec le Barça. Donc voilà, Nicolas Hoeleux, c'est un excellent défenseur, on le connaît, excellent à la relance, sauf qu'il est lent, parce qu'on va pas se mentir, Nicolas Hoeleux il est très lent. Donc voilà, mais sinon il est bon dans le marquage, tout ça, voilà, il peut accélérer quand il le faut. Donc voilà, pour moi Nicolas Hoeleux c'est un excellent défenseur, et pour le Barça ça sera une excellente pioche, même si moi je pense que le Barça n'a pas trop besoin de défenseurs. Pour moi, Barça en ce moment, vous voyez Araujo, il réalise des matchs de malade mental, voilà. Araujo et Garcia, je pense que c'est la paire qu'il faut utiliser. Donc pour moi ça sera, je ne voudrais pas voir un petit Nicolas Hoeleux au Barça. En plus, s'il signe pas au Barça, il pourra au pire prolonger avec le Bayern, parce qu'il est excellent. Il est titulaire en ce moment avec le Bayern, alors qu'il fait des performances sensationnelles avec le Bayern. On va pas se mentir, il est très bon. Donc pour le cas Hoeleux, c'est un transfert gratuit parce qu'il est en fin de contrat. Je répète, ça serait une excellente pioche pour Laporta. Pour moi, peut-être Laporta va agir, parce que je ne sais pas. Pour moi, Nicolas Hoeleux, comme je l'ai dit, c'est pas une bonne idée. Même si ça pourrait être une bonne idée, parce que ça peut être un excellent défenseur pour l'expérience, tout ça, vous connaissez de toute façon. Donc voilà, pour moi, Nicolas Hoeleux, c'est pas une bonne idée du tout. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Nicolas Hoeleux. Je t'invite comme d'habitude à lâcher ton meilleur pouce bleu si la vidéo t'a plu, et surtout de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Là, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.